Bonjour à tous, bienvenue sur Getting Shit Down. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un personnage assez extraordinaire, mon vieux pote Régis R, qui normalement aurait dû avoir les honneurs du deuxième épisode de Getting Shit Down, puisque quand j'ai créé le concept de cette émission, tout de suite, je pensais le faire avec Régis. Finalement, les hasards de la vie ont fait qu'il y a d'autres épisodes qui ont été tournés. Mais voilà, on est avec Régis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Alors Régis, première question, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu? Qui est Régis R? Je suis plasticien. Voilà mon métier. Ma passion. Qui je suis? J'ai 47 ans. Je suis originaire du sud-ouest. J'habite à Paris depuis 25 ans. 27. Et... j'aime beaucoup voyager, que dire. Et mon art, essentiellement, je ne travaille qu'avec des matériaux de récupération, par éthique et conviction, parce que ça fait sens pour moi, depuis plus de 20 ans. D'accord. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ta famille? Est-ce que tu as une famille? Qui est dans ta famille? Alors, au sens large, la famille... La famille, Moi, j'ai deux parents qui sont toujours ensemble, qui vivent dans le sud-ouest d'ailleurs, vers Langon. Coucou papa, coucou maman. Et deux frères, enfin on est une fratrie de trois. Voilà. Et la famille, sinon elle est plutôt vers Tarbes. Et c'est surtout du côté maternel qu'elle est assez grande et qu'on a des contacts avec. Après c'est assez léger quoi, on va dire, le contexte familial. Il n'y a pas de tradition très ancrée ou obligatoire. C'est si on veut. Mais ils sont... Ouais, j'ai une famille cool. Enfin, franchement, je m'entends bien avec la plupart. Enfin, j'ai même pas de problème avec quelqu'un, particulièrement. Alors, à l'école, c'était comment? Comment l'école, c'était la scolarité? J'étais quoi... je vais pas dire que je suis trop intelligent, mais ça s'est bien passé. Hein. J'avais pas grand-chose à faire pour que ça se passe bien, voire très bien. Petit regret, d'une certaine manière, c'est d'avoir fait une filière classique. Victime de l'excellence scolaire, on va dire. Puisque finalement, il y a les échecs scolaires de ceux qui n'y arrivent pas parce que c'est trop le moule ou ça ne correspond pas ou c'est pas la forme d'intelligence de l'éducation nationale. Et là, pour le coup, moi, j'ai pas fait grand chose. Mais bon, après, aux études, j'ai pu un peu plus décider par moi-même, quoi. Après, c'est vrai que demander à 12 ans à des petits de choisir. Des matières, c'est pas toujours évident, je sais pas. Ça fait jeune. Mais ça s'est bien passé, oui. J'ai pas de... Alors, est-ce que tu es allé à la fac? Est-ce que tu as fait des études après? J'ai fait gaver d'études, comme on dit. J'ai fait genre 8 ou 9 ans d'études, en fait. J'ai fait à Talence, vers Bordeaux, j'ai fait architecture. Je venais d'une filière scientifique, donc du coup, c'était un compromis entre les arts et la science. J'ai fait un DEUG là-bas, après j'ai raté une seule UV, du coup l'année d'après j'ai fait un DEUG, j'ai commencé un DEUG d'art plastique, je sais plus le nom de la montagne, non, je sais plus, à Bordeaux 3 en tout cas, à côté, à Talence, que j'ai eu aussi, et après j'ai commencé à tenter les concours, et après j'ai été pris aux Arts Déco de Paris, voilà, où j'ai fait une section mobilier, parce que je voulais faire de l'art qui serve à quelque chose, qui soit utile. Et donc du coup, ça fait 2 ans, re-2 ans, et après 4 ans, voire 5 aux Arts Déco. Donc j'ai fait... merci papa, merci maman. J'ai fait beaucoup d'études. Je ne suis pas du tout autodidacte, comme certains pourraient le penser. Alors, souvent je demande quel a été le premier job, mais plutôt toi, quel était ton premier projet, on va dire, par quoi tu as commencé quand tu es sorti de l'école? Mon premier job, ça a été, j'ai dû vendre une lampe à une copine, une lampe en carton, mais mon premier job, ça a été de faire roller à l'époque dans les Auchan Double Deck à Fontenay-le-Comte, parce que je faisais du roller et c'était trop cool, les dalles comme ça là, voilà. Le premier projet, ça a été de... Moi, je faisais la déco de ma chambre, en fait, assez assidûment. Et je démontais mon Solex une fois par mois, comme je le fais toujours aussi, parce que j'adore la mécanique. À côté, c'est une passion.
Et du coup, le premier job. Le premier, la première fois où tu as mis en œuvre ton savoir-faire Bah, je sais qu'assez rapidement, à l'école, sur les projets, il y avait des gens qui voulaient m'acheter, genre un prof ou quoi. J'ai commencé à faire. J'étais associé avec un autre régiste, on s'appelait Les Régis à l'époque. Et on a commencé à faire des marchés, à vendre des livres en papier recyclé, des bijoux en plastique recyclé, enfin, des petits trucs comme ça. Et premier contrat, je sais plus, c'était au grand, je sais comment ça s'appelait ce truc, le grand marché d'art contemporain, qui était à Bastille. On avait fait une signalétique avec des fanions en haut de bambou pour sur les une signalétique aérienne, quoi. Cool. Alors, maintenant, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton job en ce moment? Bah là, on sort d'une scéno pour une captation têtue, là, avec des DJ, dont Bama Oyende, que j'adore. Et il y a ça. Et sinon, je suis sur un projet de mini-roulotte dans le Limousin, parce que je suis un peu dans le Limousin, là, ces temps-ci. Enfin, ces temps qui viennent. J'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai une baraque en Picardie qu'il faut que j'ai envie de retaper. J'ai déjà restauré la grange avec mon style, en mode régisseur. Qu'est-ce que j'ai comme projet? Je sais pas. J'aimerais bien retourner en Afrique. Ça fait longtemps, là. Ça va faire 2 ans que j'y ai pas été. Oui, alors, j'ai vu que tu es souvent allé en Afrique. Et qu'est-ce que tu faisais en Afrique? Pourquoi tu es allé en Afrique? Je suis allé en Afrique parce que déjà j'adore voyager. Et comment ça se goupillait? J'ai toujours cherché à voir si je pouvais habiter ailleurs aussi. Donc j'ai exploré un peu, j'étais à Cuba plus récemment, j'avais été au Mexique comme ça, au Brésil aussi. Et en Afrique j'y avais été il y a 17 ans, quelque chose comme ça. Et c'est le seul endroit, c'était à Dakar au Sénégal, à l'angle d'une rue, où je m'étais dit, en fait, c'est ici la maison. J'avais une sensation déjà vue ou déjà ressentie d'être là et que c'était une évidence, quoi. C'est la seule fois que ça m'est arrivé et j'ai pas mal voyagé. Je suis allé dans 25, 26 pays. Bon, c'est pas ouf, hein, mais quand même. Quelques fois avec le travail, d'ailleurs. Du coup, j'ai vu des endroits où je serais jamais allé, quoi. Genre Dubaï ou Singapour. Dubaï. Ou Singapour. Là, c'était pour des projets avec Stark. Et ouais, l'Afrique, non, qu'est-ce que je faisais? Bah, c'est les vacances. Enfin, le rythme, il est super cool. Je fais quelques projets là-bas, des peintures. À Abidjan, à Ouaga, j'étais pas mal. De la fonte de bronze aussi, avec un ami bronzier. Bouremao Ouedreago. Ouadraogo, je sais jamais comment on dit ce nom. Mossi. Salut Bourema. Et qu'est-ce que je faisais? Ben j'ai rencontré pas mal de gens aussi là-bas, j'avais des attaches en fait. Des gens qui, les Africains, ils appellent. Hein. Toutes les 2-3 semaines, quand c'est que tu reviens? Donc ouais, et puis la vie elle est douce là-bas en tant qu'Européen. On est bien. On est bankable dans tous les sens du terme. Donc enfin, on a un pouvoir d'achat hyper fort, avec pas grand chose. Donc c'est confort, ouais, et puis il fait bon. Et moi j'aime bien. J'adore l'indolence africaine, en fait. Cool. Alors, revenons à ici et maintenant. Quelle est ta routine? Est-ce que tu as une routine? Comment ça fonctionne une journée de Régis? Ça dépend. Il n'y a pas de... Ça fonctionne, ça dépend. Si j'ai un stagiaire ou un assistant, ouais, là, c'est un peu plus cadré. Hein. Il y a des rendez-vous hein. Et des journées de travail. Moi, j'essaye là, dernièrement, je suis énormément pour le progrès social. Et en plus, j'aime pas trop travailler beaucoup, en fait. Parce que je me rends compte qu'en peu de temps, je peux travailler très vite et travailler longtemps et beaucoup. En fait, au final, c'est beaucoup moins productif et ça mange du temps sur les loisirs ou... Les loisirs. Ou être avec des gens, enfin, voilà, à mon avis, c'est quand même ça l'intérêt de la vie, c'est
de parler avec des gens, de découvrir d'autres gens, sortir de soi, quoi. Et donc, il n'y a pas de journée type, hein, franchement. Bon, ça m'arrive plus de rester au lit toute la journée ou de rester enfermé pendant 3 jours chez moi à regarder des films. Mais je pense que demain, je vais peut-être me faire un petit truc comme ça, quand même. D'accord. L'idée, du coup, c'est de travailler le moins possible. Moi, c'est vrai que j'avais aussi une journée type. J'étais passé en mode à un moment de me dire, en fait, je vais travailler que 5 heures par jour parce que en 5 heures, je peux faire 95% de ce que je fais en 7 heures ou en 8 heures, 90% ou 85%, mais c'est pas grave. Les 15%, on les reporte au lendemain. Et puis ça fait un peu plus de journée, mais 5 heures, ça laisse beaucoup de temps pour... Sachant que même en temps libre, je vais penser à un truc où j'ai envie de bricoler. Alors les journées types, depuis le confinement, je me suis retrouvé du coup dans le Limousin et j'ai pas arrêté de bricoler tout le temps. Réparer des trucs des potes, nani, une chambre à air de tracteur, aller dans un garage de moto pour la remettre. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, après du coup, tour de tracteur pour tondre la pelouse avec le... Comment ça s'appelle ça? Le gyro. Je connaissais pas, je croyais que c'était un gyrophare qu'il allait mettre, le gars. Non, c'est un gros plateau avec un broyeur. Bref, voilà, les expériences un peu. Alors, c'est quoi une bonne journée? Une bonne journée, c'est... déjà, une bonne journée, c'est quand je me réveille en forme, ce qui est assez rare pour moi. Donc, si vous vous réveillez en forme, profitez-en parce que c'est super. Et une bonne journée, c'est quand... J'en sais rien, c'est une bonne question. C'est quand je me couche content. Moi, je dirais ça comme ça. C'est au final, quoi. Cool. Et quand aussi, il n'y a pas trop de stress, quoi. Il n'y a pas trop de craquage ou que de contrariété. Quand il n'y a pas trop de contrariété, quoi. Quand les choses se font tranquillement et que ça... Fluide, la fluidité, voilà. Une bonne journée, c'est une journée fluide. Ok. Alors, est-ce que je te demande ce que c'est une mauvaise journée? Ouais, si tu veux. Une mauvaise journée, c'est une journée où j'ai l'impression d'avoir rien fait et que c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, contrariété, quoi, une journée contrariée. Qu'est-ce que de mauvaise journée? Moi, là, ma dernière mauvaise journée, c'est, enfin, portion de journée, c'est quand je suis revenu à Paris, là, il y a quelques jours, 3-4 jours, et que les premières paroles des gens, c'était à peine bonjour. Enfin, vite fait, un bonjour, et après, stress. Il y a ça comme problème, et il y a ça comme problème, et... Voilà. Ça, c'est des moments pas très agréables. D'accord. Alors, si tu devais... alors, on est dans un atelier, là, oui. Qui a un endroit génial. Bordel. Fourmillement d'œuvres et d'outils. Et de matériaux, alors, ouais. Si tu devais partir avec seulement 3 outils... Qu'est-ce que ça serait? Ah, des outils? Ouais, 3 outils. Les 3 outils qui te définissent, c'est dont tu peux pas te passer. Je les ai sur moi, j'ai mon couteau. Qu'est-ce qu'une visseuse, je m'en fous. Enfin, il y en a pas. Ouais, une visseuse, je sais pas. Alors après, 3 objets ici, je prendrais sûrement plutôt 3 œuvres. Hein, que 3 outils, parce que les outils. Avec pas grand chose, j'arrive à bricoler en mode technique lo-fi, quoi. J'ai pas besoin de. Ah, peut-être une pince. Une pince, ouais. Et une clé à molette, ouais, pour la mécanique. Et le marteau, bah oui, le marteau, c'est essentiel. C'est quoi, c'était marteau fossile, les outils, le paysan et l'ouvrier, quoi, voilà. Alors, de quoi tu peux pas te passer? De quoi, Moi, je peux pas me passer? Ouais. De toi? Des gens, des autres. Des autres, je peux pas. D'accord. Enfin, ça marche, c'est une très bonne réponse. Ou alors, faut être vraiment sur une île déserte et aucun contact. Je sais pas, j'imagine, je me ferais copain avec des animaux, quoi. Je pense. C'est sympa, les animaux. Alors,
C'est un peu philosophique comme question, mais... J'adore. Pourquoi tu te lèves le matin? Parce que si je reste au lit après, et que je me réveille, alors là, c'est déjà, ça part, c'est une très très mauvaise journée. Je suis très très pas de bonne humeur. Donc je me lève. Là, ce matin, je me suis levé pour aller... venir ici chercher la bagnole que j'avais chargée hier pour l'amener à la Céno, au Rosa Bonheur, au but de Chaumont. Alors, là, c'est une question que j'aime bien poser, elle est assez difficile. Ah. Quelle est ta plus grande réussite personnelle? Bon, c'est pas si difficile là, pour moi. En fait, c'est... là, ces temps-ci, c'est d'être amoureux. Voilà, j'en suis très fier, je suis très fier d'elle d'ailleurs, et de moi-même, et de nous, voilà. Super. Alors, tu sais, Getting Shit Done, c'est le principe, c'est d'essayer de comprendre ce qui anime les gens qui créent, d'essayer de trouver, de faire une sorte de transmission, okay. De comment les gens réussissent à trouver l'énergie de la création et tout ça. Alors, qu'est-ce que toi, t'as 47 ans, là, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Donc ça fait très longtemps que tu crées. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as appris? Que tu pourrais, des pépites, deux, trois pépites que tu pourrais transmettre? Qu'est-ce que tu penses que le Régis de maintenant, par rapport au Régis qui sort des Arts Déco, qu'est-ce qu'il a appris? Bon, ça juste, je suis juste en... Qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'en fait, quand on a envie de faire quelque chose, un rêve en fait, parce que la création, c'est pas... que des œuvres plastiques, faire du dessin, du tatouage ou tout ça, c'est aussi son environnement, inventer sa vie, quoi. Enfin, chaque vie est à inventer, quoi. Il faut être... Si on est créatif, c'est mieux, quoi, je pense. Et ben, c'est de faire le plus rapidement possible ce qu'on a envie de faire, enfin, se donner les moyens, pas reporter, pas se mettre dans des stratégies d'échec, de perfectionnisme, de se dire que... Pour arriver à faire de la musique, par exemple, il faut acheter tel truc, et avoir ça, il faut un local, etc. Non, il faut commencer, il faut faire. Et après, ça... Je pense que c'est ça, hein, le truc. Mais ça, je le savais, j'ai toujours fait ça, en fait. Ça, pour le coup, c'est un peu... Après, l'idéal, c'est sûr, c'est de structurer, quoi. D'arriver à structurer des temps pour pouvoir faire... Pour pas être dans la frustration de pas faire ce qu'on se rêve de faire, quoi. La vie est courte, donc ce qui n'est pas fait aujourd'hui ne sera peut-être pas possible. Ça sera peut-être pas possible de le faire demain. Alors, comment tu abordes un nouveau projet, par exemple, ce que tu as fait là pour Tétu tout à l'heure? Pour Tétu, là, j'avais un brief. En fait, j'ai traîné dans l'atelier avec ce brief et j'ai monté une pièce, enfin, des trucs de déco. Je fais mon marché en fait, je fais mon marché dans l'atelier en fouillant, en pensant à des trucs. Des fois j'ai des suggestions aussi de gens. Après c'est pas vraiment... Sinon comment je fonctionne par rapport à des commandes, en général je dessine, enfin des commandes ou des demandes ou des projets, ouais. Je dessine et en général c'est la première esquisse. Je suis assez instinctif. Je me dis que j'ai remarqué que souvent le premier truc, c'est toujours les plus percutants, et qu'après, les redites, c'est déjà moins bien fait. C'est moins bien, c'est... Donc je fais un petit croquis, puis j'essaie de rester là-dessus quand je commence à m'égarer sur d'autres pistes. Je reviens à la base quand je suis un peu perdu. On revient à la base de c'était quoi. Sinon, je réfléchis, en fait. Enfin, je laisse le truc. Puis à un moment, je me... Mais c'est en faisant hein, qu'on arrive à... sont des recherches, les intérêts. Bon, en général, c'est un croquis. Et après, il faut le faire. C'est plus simple. Alors, est-ce que tu as connu des échecs? Au sens large, hein, pas forcément professionnel. Est-ce que tu comptes... Je crois qu'un des trucs que je regrette le plus, c'est de ne pas m'être pointé à une soirée où on m'invitait, où Pedro Almodovar voulait me rencontrer. J'étais vraiment con. J'étais tranquille, en charmante compagnie, et là, j'ai fait ma... Même pas ma diva, j'étais trop feignant, là, pour les coups.
Ça, je crois que c'est le truc. Après, les échecs, ouais, j'ai bien fait. Il y a un projet où j'ai travaillé. C'était un truc à une vitrine à un grand magasin, là, Citadium. Oh là là, c'était une catastrophe. C'était horrible, c'était moche. À vouloir faire et là, je me suis dit, ouais, non, c'est pas travailler beaucoup qui fait la qualité d'un projet. Hein. C'est la pertinence et le simple, c'est plus difficile et en plus, ça va plus vite et c'est plus percutant. Quoi. Là, c'était un capharnaüm. Ça n'avait aucun sens. Alors, nous sommes en pleine crise sanitaire. Comme tu le sais, alors on se parle sans masque, mais peut-être qu'on devrait mettre nos masques. Ah, d'ailleurs, je voulais en faire un masque. Oui, c'est vrai que ça serait logique que tu fasses des masques. Comment tu as vécu le confinement? Qu'est-ce qui s'est... t'étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, au début, j'étais à Paris, quand c'est tombé. Et puis, j'étais en stress de me dire, ouais, comment ça va se passer si tout est bloqué? On me racontait que l'armée se déployait autour de Paris pour... Enfin bon, les alarmistes, hein. Et faut que je fasse un petit sourire comme ça avec une clope qui pense, ça serait drôle. Et mais je l'ai très bien vécu, moi en fait, être confiné, je le suis, j'ai l'impression de l'être, naturellement. C'est-à-dire que je suis souvent seul en fait, à Paris, et les gens sont plus ou moins, j'aime pas trop dispo, et puis je vois qu'il se passe des trucs, mais bon, enfin... Du coup, tout le monde à la même enseigne, tout le monde en prison. Moi, j'étais au top, moi. C'était royal. En plus, moi, comme je suis mon propre patron, je pouvais me faire les dérogations de déplacement de travail pour aller à mon atelier. Donc, pas de circulation, il n'y a que les feux rouges et encore qui pouvaient m'arrêter, quoi. J'ai vu Paris vide, quoi. Enfin, vraiment en tant que paysage, quoi, avec aucun être humain presque. Pas de voiture, pas d'avion dans le ciel pour me dire. Pinaise, qu'est-ce que j'aimerais être dedans? Il n'y avait plus d'avion, donc il n'y avait pas à se dire ça. Non, moi je l'ai super bien vécu. Bon, après, je me suis calé à la campagne, donc là pour le coup, c'était balade, enfin, en zone verte en plus, donc les gens ils étaient un peu moins. Alors, on va reprendre de la hauteur. Ouais. Pour toi, c'est quoi l'art? C'est quoi l'art? C'est... Comment ? Ah zut, je le trouve plus. C'est rigoureusement inutile, donc absolument nécessaire. Enfin, je sais pas, c'est la... Bah, c'est l'exaltation de l'âme et de l'esprit, quoi. Humain, des sensations, de la communication, des idées, la beauté aussi, enfin, on est tous sensibles à la beauté. Bon, il y en a, ils aiment les Dolce Gabbana, ou les Porsche, ou les vieilles voitures, ou une petite maison, enfin, les rêves, quoi, enfin, c'est visuellement, par exemple. Après, il y a la musique, enfin, on peut pas s'en passer, en fait. C'est pas des vrais métiers, entre guillemets, hein, je parle pour la masse des gens, c'est pas des métiers sérieux pour ses enfants, quoi, bien sûr. Mais c'est absolument nécessaire. C'est ce qui nous différencie de... Quoi qu'il y a d'ailleurs des animaux qui font de l'art. Est-ce que les nids des oiseaux... Les oiseaux paradis qui font des super décos... Ouais. Ouais, pourquoi pas. J'allais dire c'est ce qui nous différencie des animaux, mais en fait même pas forcément. Bah, c'est un truc cool, hein. En tout cas, moi il n'y aurait pas ça. Pouh. Je crois que je serais plus là. Hein. Enfin, ça n'aura aucun intérêt, la vie, pour personne, je pense. Alors, pour toi, être artiste aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, hein, pour toi, en tant qu'artiste? C'est quoi être artiste aujourd'hui? Bah, c'est une chance, enfin, d'être professionnel dans ce milieu-là, ou dans cette gamme de métiers-là. Ouais, c'est une chance pour moi. Je sais pas quoi dire, qu'est-ce que ça veut dire. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire d'être artiste? Bah, ça veut dire avoir quelque chose à dire et se donner les moyens de l'exprimer. Je pense que c'est juste ça, en fait. Faut se donner les moyens ou avoir la chance, enfin.
Mais être reconnu, c'est, voilà, c'est ça. Être artiste, c'est être reconnu. C'est ça mon combat, moi, en fait. C'est un palliatif à des blessures d'enfance, je pense, souvent. T'as vu Hitler s'il avait été artiste? Putain. Alors, dernière question. Ouais. Former quelqu'un, transmettre. Ah, la question s'est posée récemment, effectivement. Bah, c'est vrai que, en plus, l'héritage, quoi. Enfin, la question de transmettre et de... La filiation, voilà. Moi, j'ai pas d'enfant, donc ça sera pas de... Il n'y a pas de ça. Et ça, j'ai envisagé ça récemment avec quelqu'un, mais bon, ça s'est pas goupillé, finalement. C'était pas comme ça que c'était bien que ça se fasse, voilà. Donc pour l'instant, je m'assois dessus, mais bon, enfin... j'ai eu plus de 100 une centaine d'assistants, donc il y a un moment, ça a fait... Voilà, ils ont moins appris, je sais pas, des trucs, des fois, où se dire, ah oui, peut-être que ça, comme si, ça m'aidera. Ou... Donc, de toute façon, on est en perpétuel échange. On apprend des autres et tout. Tes questions, elles me font réfléchir et tout. Et puis, je te vois avec ton petit air amusé, là, ça me fait plaisir. Il y a un côté ludique dans des questions sérieuses, c'est bien. Alors, on a fini. Tu veux donner une conclusion, une dernière phrase? Ah merde. Ah, attends, on va montrer. Alors, tu me refais la question? Ouais. Alors, une conclusion, une dernière phrase, Régis. Il y a quoi? Ouh, mais j'avais pas, c'est pas celle-là que je voulais. Ça fait 2 jours. Ça fait un bail, en fait, ça veut dire. Hein? Ça fait un bail. Ça fait un bail. Et sinon, en fait, celle que j'aurais voulu mettre, c'était « On est ensemble ». Voilà. C'est une grande expression utilisée dans certaines parties du monde. « On est ensemble ». Cool. Et bien, on est ensemble. Hier. On a fini. Magnifique.